Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir à mes anciennes vidéos que j'ai postées sur ma chaîne et même certaines vidéos qui ont été supprimées depuis. Alors petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont cru que j'étais mort. Je fais des vidéos depuis 2015, c'est-à-dire quand j'étais en 5ème, mi-5ème, je crois que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. J'ai fait une pause de 1-2 ans où je postais très irrégulièrement et vraiment très peu. Mais voilà, j'ai des vidéos de quand j'étais en 5ème, 4ème, voire 3ème qui aujourd'hui ont plusieurs millions de vues, ce qui est gigantesque. Mais je m'en suis pas vraiment rendu compte au fur et à mesure que je postais mes vidéos, puisque je les ai vraiment jamais revues entre guillemets. Genre je poste une vidéo, je vais pas aller la revoir en mode ah tiens c'est moi, non. Du coup voilà, des vidéos que je n'ai pas vues depuis 4-5 ans sont encore sur YouTube et marchent très bien, contrairement à aujourd'hui, lol. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo où je réagissais à des moments de quand j'étais petit, etc. Il y avait certaines vidéos YouTube dedans, mais c'était vraiment ça occupait genre une minute de vidéo. Aujourd'hui on s'attaque vraiment au cœur du sujet qui est ma chaîne YouTube. In 5, 4, 3, 2, 1. La première vidéo que nous allons regarder s'appelle Enfant vs Ado, qui est ma première vidéo sur YouTube. Cette vidéo a 5,4 millions de vues et c'est juste énorme. Du coup voyons voir pourquoi est-ce que les gens ont tant apprécié ou du moins regardé cette vidéo. Je ne sais pas, mais la voilà. Déjà cette introduction vraiment de très mauvais goût, mais bon c'est pas grave. Maman m'a dit de pas toucher. Ouais, j'en prendrai un. Ce jeu d'actrice, elle avait quel âge là? 5 ans, 6 ans. Exploitation d'enfant, moi je dis, mais bon. Je n'étais pas du tout un ado. J'avais 12 ans. Ah, je peux pas là. La musique, Sugar Tug, qui était un mime quand on était en 2015. Et ça se voit, je me rappelle très bien. Je savais pas comment rajouter une musique, un bout d'audio sur iMovie. Du coup, je prenais mon téléphone et j'enregistrais. D'où la qualité très médiocre. Il y avait des bonbons autour de la table. On peut noter la participation guest star, c'est-à-dire ma mère. Elliot, j'ai dit pas de téléphone à table. Oh, mais quelle horreur! Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas de ce coup du vomi. Heureusement que j'ai coupé les commentaires hein, sous la vidéo, parce que sinon les gens ils devaient péter un câble. Je comprends pas les 5 millions de personnes qui ont vu ça. Surtout que la miniature est juste... Non mais... Alors excusez-moi, qui y croit? Le coup de je fais semblant de dormir et je tiens. La nuit qui ne finit pas. On en a eu assez avec cette vidéo, on va passer à autre chose. Ensuite, nous avons une autre vidéo qui a très très bien marché, qui a à ce jour 6,5 millions de vues. Je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc c'est vraiment une vidéo qui a plu à la YouTubeosphère. Avoir une sœur. Anecdote pour cette vidéo, je l'ai postée, je crois que j'étais en 4ème. Et vous savez, à la fin de l'année, quand on a fini les cours et tout, des fois les profs ils passent des vidéos, machin. Et ben elle est passée en cours d'art plastique. Et franchement, j'ai jamais été aussi gênée. C'était horrible. J'attendais que le temps passe. Combien de vidéos? 2 minutes 50 de vidéos, j'étais comme ça. Et tout le monde aurait aimé ma vidéo. Et le pire c'est que ça va, hein, les gens ça leur déplaisait pas quoi. Enfin genre ils sont pas moqués de moi et tout, mais juste c'était horrible devant ma tête sur l'écran comme ça. Oh. Mais bon, aujourd'hui j'assume, Donc on va la regarder. C'est vraiment que du bonheur. Quoi? T'as parlé de moi? Oh là là. Mais oui, mais c'est pas méchant, je disais juste. La mise en scène. Les enfants. Putain. Bon Elliot, arrête d'embêter ta sœur. Allez viens ma chérie, on va regarder la télé. La voix off de ma mère, c'est désastreux, c'est juste très très mal fait. Bon ben voilà Bianca, je t'ai dit tous mes secrets. Maman. ce moment était drôle, je dois avouer que là, je me suis surpassée. Mais Bianca, comment tu comprends pas les maths? C'est hyper facile. T'as une feuille, t'en as une, tu la déchires, t'en as deux. C'est filmé vraiment comme les trucs genre au nom de la vérité. Le jeu d'acteur est de même très limite. Oh, il faut que vous veniez pour le maîtriser, il va se calmer après, il est pas méchant. Là vous allez voir un effet de montage. Oh, qu'est-ce que j'avais galéré à faire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Attends, ne pars pas, j'ai quelque chose d'important à dire. J'ai décidé d'être régulier, c'est-à-dire que un vendredi sur deux à 18h
il y aura une vidéo sur ma chaîne. Si je savais que ça allait jamais se faire, enfin ça s'est fait pendant un mois quoi. Quand j'étais en 4ème aussi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Voleur. Et j'ai dû la supprimer parce que on voyait grave ma maison. Et du coup il y a des gens qui sont venus sonner chez moi. Je vais pas remontrer les images où on voit ma maison parce que je suis pas con. Mais sachez aujourd'hui, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, que j'ai déménagé. Donc ça sert plus à rien de venir, j'habite plus chez mes parents. C'était un moment de stress quand on est venu sonner chez moi. J'étais tout seul en plus, là j'étais au balcon. Tiens, arrêtez, arrêtez. Par contre, il y a d'autres gens dans la vidéo qui étaient mes amis quand j'étais en 4ème. Je pense pas qu'ils soient vraiment d'accord que je monte leur tête, donc je vais les flouter. Là, sûrement qu'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui se rappellent plus de moi parce qu'ils me voyaient quand ils avaient 12 ans. Tu sais ce que t'as à faire? Ouais. Tu sais ce que t'as à faire? J'étais trop fier parce que j'avais mis des bandes noires en haut et en bas pour faire un petit effet court métrage et j'étais là, direction Festival de Cannes. Prendre. Arrête! Sois discret, c'est derrière cette porte. À 3, j'entre, j'ouvre le tiroir, on prend tout et on se barre, ok? 3, 2, 1. Scénario, Elliot. Avec Elliot. Montage, Elliot. Attendez, vous voulez voir le meilleur moment de la vidéo? C'est-à-dire le jeu d'acteur le plus incroyable que vous ayez jamais vu? Oh. Oh putain! Je fais vraiment des rêves de plus en plus chelous. Wow. Je vais regarder une vidéo qui s'appelle Ces moments que je déteste. J'étais je crois en 5ème ou 4ème, c'était au tout début de ma chaîne donc voilà. Et elle est toujours sur YouTube je crois. Oui elle est toujours sur YouTube mais je l'ai pas vue depuis sa sortie. Dans la vie il y a des moments que je déteste. J'étais en transpiration. Je me suis pas dit peut-être faudrait que je m'essuie le visage. Quand un gentil moustique s'approche de ton oreille. Tu cours pour répondre au téléphone fixe. Mais que ce n'est qu'une pub. Je me rappelle là, j'avais voulu trouver une pub sur internet, c'était une galère. C'est pas du tout ce genre de pub que je reçois au téléphone, mais vous allez voir ce que j'ai mis. Télécharge Meumeu sur ton mobile. Meumeu, elle se réveille le matin. C'est jamais arrivé à personne. Quand ton petit doigt de pied se cogne contre l'angle du canapé. J'avais fait exprès de le mettre synchro. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui, non? Voilà mes vidéos de quand j'étais petit. Je les laisse sur ma chaîne parce que ça fait quand même partie de l'histoire de mes vidéos. Et je pense que avoir une chaîne YouTube comme ça quand on est jeune, c'est une chance. C'est la chance que j'ai gardé tout ça et que je l'ai laissé. C'est un peu comme une capsule temporelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que même si je suis plus un enfant de 12 ans, vous aimez toujours regarder ce que je fais. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.